Ma vie est trop bien, putain! Je vais pisser, je suis trop heureux! Oh là là! J'adore aller pisser, vraiment, c'est un des moments les plus stylés de la journée. Hein. Quand on va pisser, vraiment, ma vie est trop bien. Je sais pas, je redécouvre mes sens, je redécouvre ma lucidité, je redécouvre ma vision de jeu, instantanément. Je me mets à comprendre le jeu, c'est beau, putain. Mais pourquoi je parle avec toi, putain? Pourquoi je parle avec toi? C'est impossible, là, c'est impossible! Dimitri Payet! Tous ont fait enculer. Ça m'énerve. En fait, dès que les mecs sont en confiance, en mode ils ont des gens qui ont un bilan de merde, et ils se mettent à prendre la confiance. C'est le pire moment pour éternuer. C'est le pire moment pour éternuer possible. Meurs s'il te plaît. Oh mais meurs putain, mais meurs enculé. Mais putain j'ai pas assez. Putain si j'éternuais pas, mais j'étais en doublé quoi. Oh là 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 là. Putain. Sbub. Alors on va quand même prendre le Z parce que là on va le dive. En fait le Z est très fort pour les dives. En fait vous le mettez là quand il passe derrière la tour. Regardez. En fait vous passez à droite, donc là il va aller là. Et une fois qu'il est là, vous faites le Z là. Et le mec il est bloqué en fait parce que il est sur la flag, vous voyez. C'est bien parce que je vous parle d'un truc, je vous fais une démonstration à la seconde d'après. Vous pouvez troll, enfin full tuer des gens early puis faire des trades à la con. Bon si le argol, bon, il n'y a pas vraiment besoin de. Faut juste avoir 5 bras quoi. 5 bras. 5. 5 doigts sur chaque jambe, sur chaque main. Même pas en plus, hein, je pense que. Faut avoir deux bras. Je pense que tu peux monter platine. Platine c'est un peu plus chaud mais ça va quand même, c'est pas très compliqué. Et le diamant par contre, dès que tu commences à prendre la confiance que tu joues contre des merdes, ça peut très vite partir en couille malheureusement. Putain j'ai vraiment pris la voix encore, ah je vais mourir là. Non je meurs pas. Bon bref. Je peux récupérer le bleu ou je suis un enculé et j'ai le droit à rien. Peace. Can I? I'm a win hard 1v2. Je sais pas, il va peut-être pas le modifier, mais je demande, tiens. Oh il a sûrement smite. Non? Ok, va bien te faire enculer. Sérieux, qu'est-ce que j'ai fait là en fait? Et si j'ai fait un truc mal, faut me le dire. Hein. Si peut-être cette nuit j'ai fait un truc en somnambulie, j'ai fait un truc qui fallait pas. Je sais pas. Hein. Mon karma a pas l'air au top là. Et j'ai ouais. Je bon. Très bien. C'est non. Vous les visez absolument là. Très bien. Bon Baron, c'est bon. Non non là c'est bon. On en a marre des putains de gank. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi, bande de putes? Vous en avez pas marre de me gank 5 fois d'affilée, là? Pensez pas qu'au bout d'un moment, j'en ai un petit peu ras le cul, au bout d'un moment, putain! Les mecs, ils se font mettre à 10-0 en bot lane, après ils viennent me camper ma race? Ah, t'as raison, bah oui, bah après c'est quoi? C'est Nidalee? Puis quoi après? Je vais me faire gank par le mec d'une autre game? T'es sur une flaque, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux pas sauter, ma pute! T'es ma pute, tu comprends ou pas? T'es ma pute, Nidalee! Et tu vas mourir, bien sûr! Putain, vous allez pas me faire perdre DLP en D3, il en est pas question là, putain, pas en 2017! Ah, ça m'énerve, mais ça m'énerve, putain, genre, je prends un gank, allez, le grab de l'année, après c'est quoi, l'ulti, après c'est quoi, je me prends un gank direct, putain, ils veulent pas me lâcher, genre. Ok, je suis le seul qui joue dans la game, ok, j'ai une team d'attardés, mais on s'en bat les couilles. Tu veux quoi là? Tu veux quoi? Pourquoi tu viens te battre? Sale connasse! Repars à ta base là, putain! Qu'est-ce qu'elle croit qu'elle va faire là, putain? C'est pas possible! J'avais pas mon ulti quand je vous ai enlevé de tout à l'heure, c'était pour rigoler là, le fight! Bande de petites salopes! Bah alors, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah alors! Eh bah alors, on back! Bah quoi? On s'est fait reback, on s'est fait doubler? J'ai toujours pas back, j'ai toujours pas dépensé les golds que vous m'avez gracieusement donné? Avec votre gant qui apparemment était pour me mettre bien dans la game? Et vous êtes revenu, j'ai toujours pas dépensé mes golds et vous repartez! Mais c'est marrant ça quand même, alors que vous êtes à 10-0! Putain! Smurf de mes couilles là! Bien sûr, Kalista Smurf 80% winrate en D3, mais moi j'ai quoi? Moi j'ai 60% winrate! Mais un pouce bleu, connard! Perso de fils de pute, celle-ci. Encore Even, c'est pas un perso de fils de pute parce que ça peut se brain. Mais Kane, je suis désolé, hein. Génération Y, mon gars. Génération Snapchat de mes couilles à filmer sa bite! Mon gars, c'est vraiment ça, hein. On est à base de. De toute façon, à partir du moment où ça a commencé à se branler sur Snapchat en commentant les games LCS, c'était évident qu'il allait avoir la même génération de fils de pute, de perso de merde, qu'elle a cancellé les games, hein. Bien évidemment. C'est une Formule 1! Mais pourquoi tu viens pas vers moi? Pourquoi tu t'éloignes? Pourquoi? Pourquoi t'es une débile? Pourquoi tu penses qu'en faisant des allers-retours tu vas esquiver des trucs? Ah, mais me refous! Mais putain, j'ai trop le seum de cette team! Genre, je t'ai fait pour ça, s'éloigne de moi pour que j'ai pas la range! Ah, j'ai envie d'écrire Just Come To Me, je vais même pas le faire, ça a rien d'écrire, genre, elle va m'insulter après. Oh là là, mais putain, mais c'est un truc de ouf! Je suis en train de me faire un petit peu baiser là. Fils de pute, va, t'es mort! Encore? Non! Non! Eh, c'est de la merde cette game. Hein. Oh oui, non! Non! Oh, le shield! Oui! Non! Ah, le Q-Max Red! Non! Ça a toujours commencé! Qu'est-ce que c'est que cette game? Oh non! Ah! Non! Putain, oui! Oui! Oh oui, c'est bon! Oh là là, non! Non!
il a 30 cubes de retard, tout va bien. Zbub. Elle a raison, il devait être du bleu. Yes. Ouais, le redirect, ce serait bien. En plus, elle a battu une domine de ouf. Ah, c'est un bon call, s'il le est up, mais je sais pas si... Oh. MDR. Bah voilà, j'ai le bleu. Bien joué à moi. Nice call, mate. On va faire un flank. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. J'ai ping, où est-ce que je suis? Tu viens vers moi? Non, pas de soucis. Oh là là, mais ils sont en train de gagner sans moi, ces bâtards. Putain, mais laissez-moi gagner aussi un petit peu. Ah, je pourrais être utile, je pourrais être utile. Je vais me rendre utile dans ce fight. Ils s'attendent pas à ce que j'arrive par là. Impossible. Je vais peut-être même pouvoir sauver Zach. Zach, c'est mon ennemi. Zach, c'est mon ennemi. Du coup, si je le sauve, c'est un peu nul, quoi. Y'a une arrow? Non, y'a pas d'arrow. Oh putain, je suis deg. J'ai servi à rien. Y'a personne qui joue dans la game, genre. Y'a pas un objectif qui a été contesté par Kha'Zix depuis le début. La seule fois où on a fait un objectif avec Kha'Zix, c'était Nashor. Il s'est reculé pour nous regarder mourir dessus. Et il a écrit, toi, the bad call. Putain, le bad call, c'était ta mère de pas avorter, mon gars. C'était le seul bad call de cette game, hein. C'est la seule chose qui s'est mal passée dans l'univers, hein, là. Putain. J'ai des kiffettes qui se prime. Merci beaucoup, Airfall. Ça, j'arrive même pas à lire les dons. Je suis malade. Et I am Kuluba, kiffette. Ah! Putain! C'est pas possible! J'arrive même pas à remercier des dons, putain! Merci pour le prime, la putain de ta race, Ayam Kurva! C'est chiant de ouf! J'ai trop chaud! Ah, j'en ai trop... Non, sérieusement, putain... Non, là, il faut... Merci JPEG! Merci JPEGs! Merci beaucoup, mec! Oh! Et y en a chez Riot qui savent très bien que... Y a des gens de l'intérieur qui essaient de détruire la société, bon, ça c'est une évidence. C'est l'évidence qu'il y a des agents infiltrés de chez Heroes of New Earth qui ont le seum que leur jeu soit devenu de la merde. Ou de Dota. Non, Dota, ils ont rien à envier à Riot. Hein. Donc c'est globalement, Riot est pas assez intelligent pour détecter les couilles. Il y a des agents infiltrés chez Riot Games, je peux vous assurer, qui essaient de détruire le jeu de l'intérieur. Ça, c'est une certitude. Vous inquiétez pas. C'est totalement maîtrisé ce que je fais là. Ok, il y a eu un bug parce que j'étais invisible en fait. Hop, on va s'escape par là. Oh, c'était pas du tout risqué ce move. Putain. Bon, en vrai, alors Lulu, je trouve ça complètement insane. Faut vraiment nerfer la durée du polymorphe, y'a vraiment un problème technique. Très très content, j'adore. En fait, ils se rendent pas compte à quel point Soraka nous encule tout notre teamfight. A chaque fois, je burst quelqu'un, genre, je finis par pas le tuer et mourir comme une merde parce qu'il survit avec miraculeusement heal, plus ulti de Soraka, plus ulti de Soraka, plus cimeter, plus une prière de Saint Mahmoud qui vient rendre de la vie. C'est trop difficile en fait, putain. Il faut juste qu'on écarte Soraka du fight comme on a fait au Nashor tout à l'heure là, et on peut pas perdre le fight. Impossible. Je la tue, hein. Oh putain, je voulais flash out et le E partait pas, j'étais mute. Oh, et quand le mute est parti, mon flash est parti alors que ça faisait 1000 ans que j'avais cancel, putain. Puis quand il est top, il me flash in, mais bordel quoi. J'aurais pu la mort, la Camille se fait full porter par le Xin. Et le moment où je la baise en 1v1, cette salope, elle peut survivre grâce à son Blitzcrank. De toute façon, les dégâts étaient partis dans tous les cas. Le coup de pied a tellement de range que j'étais dans tous les cas mort. Zbub. Ok, je viens de comprendre. En fait, j'avais pas vu que c'était certain. Ce mec là, c'est vraiment un colossal fils de pute. Déjà, toutes les games, il fait une propagande musulmane. Je vous assure qu'il dit aux gens, si tu te convertis pas, j'ine ta game. Je vous jure, c'est vrai. Genre, à toutes les games, fils de pute, il insulte des mères. Genre, dès qu'il int une game, il dit c'est Allah qui m'a demandé de le faire. Genre, vraiment, c'est un colossal enculé. Genre, et c'est un enculé d'égoïste dans le sens où il va tout prendre pour lui. Il est incroyable. Mais en vrai, il est drôle, mais bon, il est casse-couille. Je vous dis, c'est un colossal enculé dans le sens où il prend tous les camps. C'est un jungler ultra égoïste. Et c'est un peu un taré parce qu'il praise for Allah absolument chaque seconde dès qu'il peut dans la game. En fait, si t'es un de ses confrères musulmans, il va full tryhard. Par contre, s'il se rend compte qu'il est avec 4 mecs qui ne croient pas en Allah, le grand seigneur, malheureusement, c'est un int massif qu'il va proposer. Du coup, il est bon parce que vu qu'il int plein de games, forcément pour se maintenir en D1, il est forcément bon, vous voyez ce que je veux dire. Parce que les games qu'il int pas, il les gagne en fait. Donc voilà, c'est un bon joueur. A tout dit, cadeau. Ah, c'est dur de dire, ils sont sérieux sur ma vie, hein, j'ai du mal. Hein. Non, mais après, voilà, on est mis à l'épreuve. C'est le but du jeu aussi. Hein, c'est soit Banshee, soit White Staff. De toute façon, c'est au choix. Genre, attends, mais il est pas dans la. Attends, je vais me faire complètement troll là. Genre là, il est pas dans la flaque, c'est bien ce qui vient de se passer. À mon avis, il était en train de charger son. Non, mais j'aurais dû cancel si charger son jump. Ah non, il s'est passé un truc là. Il s'est vraiment passé un truc là. Là, je me suis fait baiser par le jeu là. Ah, il va mourir en plus. Oh là là, il me rend ouf. Ah là, franchement, il a troll. Oh là là. Ok, donc on va se détendre, c'est pas grave. Boosté comme jamais. Votre système fonctionne vu que je suis frustré, je relance une game. Ça marche vraiment bien. Et je vais même, vous savez quoi, je vais même aller dans le store, je vais vous donner 50 balles tout de suite. Vous méritez, vous avez réussi à me pousser à bout. Votre système fonctionne très très bien. La logique que vous avez en vous, c'est parfait. Regardez, je vous donne 50 balles, c'est cadeau. Allez, on va aller sur PayPal ensemble. Je vous les donne, c'est cadeau, je vous donne tout mon argent. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Putain. Mais je suis full tilt, qu'est-ce que je fasse de la SMR? Genre, j'ai une gueule à faire de la SMR là? J'ai juste envie d'insulter des mères, mon gars. Putain, je fais une game de 55 minutes, je la perds.
J'ai que des fils de pute et vous me dites fais de l'ASMR, mais non. L'ASMR c'est genre je suis de bonne humeur, je vous transmets de la bonne humeur. Croyez vraiment que je vais putain de faire de l'ASMR après ça, c'est mort de chez mort. Putain, j'aurais pu en faire, fallait juste que je joue pas cette game de chiasse là. Prochaine fois vous me direz pas joue ta game après 2h du mat quand je suis en solo queue. Prochaine fois vous fermerez vos gueules et tout ira bien. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.